Bonjour à tous et à toutes, c'est Mister H. Crew. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 5 de notre aventure sur Pokémon Crystal 9 Dawn Challenge. Dans le dernier épisode, on avait battu Hector, on a pas mal avancé, on a attrapé des Pokémon avec plus ou moins de succès. De toute façon, on les a tous attrapés, mais on a attrapé notamment un Excellent, un Scorpion. Et on a eu un Raikou en 9, mais en fait, alors pour ceux qui ont fait attention, ils auront remarqué que Taker a gagné un niveau. Parce que en fait je voulais juste je voulais faire monter Raikou pour voir qu'est-ce qu'il apprenait niveau 10-11, je sais plus, c'est un niveau comme ça. En fait je me suis dit non, le temps qu'il apprenne une bonne attaque, c'est mort. Donc Raikou, ça se trouve, je vais jamais m'en servir, désolé Anik. Et sinon, aujourd'hui, déjà on va sur le souterrain. Parce que. Ah je crois qu'il faut récupérer la bicyclette aussi. On peut récupérer une bicyclette. Ce serait bien. Alors, je sais plus dans quelle maison c'est. Toi! Non. Oh, wow, toi. Putain, elle se téléporte. Non. J'en veux pas de son numéro. Pour que tu me spam. Ah, putain, souterrain. Ouais, c'est. En fait, on va dans le souterrain non seulement pour XP, hein. Enfin, pour faire les combats qu'on peut faire. Et aussi pour la boîte de jetons. Parce que voilà, c'est la boîte de jetons. Ça nous permet notamment de voir qu'est-ce qu'il y a au casino, parce qu'il y a un Pokémon qu'on peut avoir pour 100 jetons, et ça peut être pas mal. Tigure ça. Ouh, mignon. Oh, tu vas mourir. Oh, le niveau. En même temps, niveau d'écart. Non. Bon, on va être gentil. Avec Vrille. On va pas balancer d'aéroblast avec notre ami Boudouche, parce que sinon. Faire de overkill le truc, voilà quoi. Boudouche, monte au monté, voilà, niveau 17. Deuxième, c'est Axo Auto. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai pas envie de faire disparaître en dehors. Pour pas que ce soit encore plus pété, quoi. Enfin, je dis ça, mais quand je vais tomber sur une équipe de légendaire, je m'en fais en main. Enfin, quoi que, ça dépend s'ils ont des bonnes attaques ou pas. Parce que si c'est des Raikou avec des choux, bon, voilà quoi. Pas super loin. Combat suivant, alors. Ouh, un Pokémoniaque. Marine. Ouh. Ouais, Gengar, c'est. Il peut être dangereux. Bon, il est niveau 12. Voilà, je vais balancer un aérobus parce que je sais que ce con peut être dangereux. Enfin, il peut être dangereux. On va essayer de s'en débarrasser si on peut. Et il est mort. Tout petit. Adieu. On a battu Marine. Lol, XD. Voilà, ça c'est la boîte de jetons. Ça me permet de voir qu'est-ce qu'il y a comme prix au casino. Non. Non. Meurs. Toi. Bah. Jimmy, ouais, on affronte Jimmy Neutron. Bon. Boudouche Bec Vrille. Tranquillou, hein. Attends, j'attends de voir ce que ça donne au niveau des champions. Ok, Boustiflore. Bec Vrille. C'est le deuxième KO. Boudouche monte au niveau 18, attention, mais bon, on y apprend rien. Encore un boost si fort. Oh. Trop de combat. Trop d'intensité dans ce combat. C'est super efficace. Whipping Ball et KO. Boudouche gagne 355 points d'expérience. Voilà, Papillusion. Oh mon dieu. Oh mon dieu, niveau 9. Il faut être très pauvre. Et rigole pas, Boudouche. Oh, 307. Yippie. Alors, qui c'est 10 P. Il reste 8, c'est Taker. Et tout suivant. Hop. Qu'est-ce qu'il y a par là, déjà? Ah, oui. Ok. Adieu. Meurs à jamais. Bon.
Ok, donc un autre combat. Ouais, j'ai des Pokémon. Qu'est-ce que t'as? T'as un problème? Tu veux te battre, c'est ça? Oh, Rakaïou, ces trucs qui me forcent à switch, quoi. Ah, quoi? Oh, non, non. Non, je vais switcher. Bon, bah, t'es cœur 2. Fais ton taf. Charme! Oh mon dieu, un Rakaïou qui fait du charme. Avec ses deux bras. Oh mon dieu. Icy Wind. Putain, on dirait bon, ça fait psycho, c'est bruitage de psycho. Putain. Putain, elle a pas pris cher ce con. Oh mon dieu, pouvoir antique, c'est physique. Et ça fait rien. Ouais, Icy Wind, c'est sympa. D'ailleurs, je vais peut-être voir. Parce que j'avais pas, bon, j'avais pas argument destructif sur moi. S'il apprend Icy Wind, ça peut être pas mal. Hein. Oh, Magikarp, tu fais quoi, cousin? Tu fais quoi? Ça, il me lance une méga attaque de la mort. Il va survivre à un PV. Ah. Mon pistolet à eau. Il se sera amélioré. Ok, d'accord. Ouais, quand même, Taker 2 quand même est assez limité au niveau de la puissance. Hein. Magikarp survit. Mais bon, il survivra pas à 2 ultra laser. Adieu. Et concernant les Pokémon que j'attrape, je préfère attendre qu'il y ait des Pokémon qui meurent. Enfin, s'ils meurent. Sauf si vraiment il y a un putain de Pokémon. Genre, si j'attrape, je sais pas, un Entei avec des bonnes attaques, par exemple. Bon. Voilà quoi. Ok. Et c'est pas là pour les bicyclettes? Si, c'est là, je crois. Ah, j'en veux pas. Bon, au pire, on n'a pas de bicyclette, on s'en bat, on a le turbo. Et on va tout de suite aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le casino. Je crois que c'est là. Ah non, c'est pas là. Non. C'est pas là. Par contre, c'est là-bas. Voilà. Vous voyez, voyez. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu me donnes? Oui. Magby, Ratata, Kenos. Ok, voiture fou. Bon bah, il n'y aura pas de Pokémon ça, dans cette ville avant qu'on ait rejoint Yahoo. Bon bah, voilà. Bah, sur ce, la reine, écoutez, juste à me soigner. Non, remarque, on s'en va. Allez, c'est parti. Non, ça, c'est un mauvais truc. Oh. Putain, où cette arène? Ah oui, bon. Oh, c'est parti pour cette troisième arène. Je m'attends pas à trop de difficultés. Ça devrait aller. Oh, voilà. Ah, je crois, bah oui, il y a des canons. Alors, les canons, c'est bien parce qu'ils donnent du fric. Voilà. Beauté, oui, si tu veux. Oh, prolifique. Ok, d'accord. Vite! Vas-y, Herschwass! Herschwass, vas-y! Ok, ça c'est ici. Et le suivant c'est un. Oh, un Tarpou! Avant. Un Pokémon nu avant qu'il devienne chiant, 5ème génération. Oh, quoique un Tarpou, je craquerai pas dessus. Oh, il tombe bien ce con. Allez. Allez, Litz. Oh mon dieu, Bulldo. Putain, il fait mal ce con. Pour niveau 13. Adieu. Là, 514 d'XP. Niveau 18, c'est bien. On XP. Et dernier, c'est un Aspico. A noter que c'est son Pokémon ultime niveau 17. Voilà. Donc, GG. Ce fut facile. On a battu Jasmine, ouais. 1486. Ah, oh, c'est vrai, ce que je disais, donne du fric. C'est bien, c'est bien. On n'a pas de plus screen, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, il faut que j'y pense. Faut que je pense à équiper FF Griff. Bon, Pokémon nous pouvons de la team. Ça peut être sympa. Mais c'est bon pour le moment, je crois que j'ai pas de Pokémon spécialement. Hein.
Jill, porte à cruel. Ah, là ça devient un peu sérieux. Ouh, Neo, ça devient sérieux. Là, ça rigole un peu moins. Ah, j'aurais dû mettre les cœurs de devant. Bah, remarque que ça m'arrange parce que. Bah, Sword Dance. Octazuka, attention. Bah, ça va, normalement, je tiens un coup. Je tiens un critique. Et il n'y a plus de temps à crever. Ah, bah, critique aussi. Bon, bah. Je sais pas si on retenu, on saura jamais. Adieu. Ah vache, niveau 19 et le prochain c'est un gros doudou. Oh, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Oh mon dieu! Extreme speed gros doudou. Tu sais quoi? Voilà, adieu. Voilà. Ouais, youpi, très... Oh oui, j'ai battu Tomiaus, c'est un gros doudou, mais bon. Ah bah, il reste... Ah bah, attendez, avant, il y a... Ah oui, il y a quand même beaucoup de spé, ici. On va mettre argument destructif devant. Après, ça va être au tour de Corambou. Corambou. Bon. Ah, tu me fais chier avec ta musique de... Furax. Oh putain. Oh putain. Oh la vache, oh, ça va être dur. Ah ouais, niveau 18. Oh. Ah, faut faire extrêmement attention là. Octazuka. Oh putain, il apprend protection. Oh, je veux ce Snorlax. Putain, il est rapide ce con. Ouais, bon, à partir du moment où il fait baisser sa précision, ça va. C'est moi qui t'as pris une mouche. Oui, t'as vraiment comme une mouche. En fait, j'en veux pas, non. Tu peux rester où t'es. Comet Punch. Il tank bien, mais bon, à côté, voilà. C'est pour taper des 6%, enfin, 6 points de vie par tour, voilà, quoi. Alors, en plus, sa précision, enfin... Sa précision arrête pas de diminuer. Mais il rate jamais. Attention, ouais, je vais me barrer, parce que... Je vais me barrer, sait-on jamais. Ouais, ça truc baisse, machin truc. Ouais, Corambu. Voilà. Alors, on va se faire du XP. Là, et on va faire péter XP. Comet Punch, ouais, ok. T'as plus de refait. Et je te balance un. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, bah oui, c'est pas le canon, oui, ça va rien faire, oui. Ouais, génial. Ah bah bravo, Corambu, hein. Et bon, fini. Oh ouais, pas. Ok, bon bah, adieu. En fait, j'aurais dû envoyer des débuts. Bon, moi, ça aurait donné un combat chiant. Oh mon dieu, un coup critique. Voilà. Bon, oh, il a pas eu d'up. Je suis déçu. Oh, on a battu Thomas. Et puis. Il y a encore une dresseuse à se faire. Alors, je vais retourner sur le Pokémon après. Je vais mettre Corambu devant. Corambu. C'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Corambu aujourd'hui. Je sais pas. Ouais, bah moi j'ai un Pokémon fort aussi. Il s'appelle Corambu. Il va te chasser. Antoinette m'envoie. Oh mon dieu. Oh putain. Je peux pas faire un Mitchell. Un Méophée. Bon, oh, c'est logique. Bon, ah bon, juste pour faire ça, t'as pas foutre. Hein. Spike Cannon. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Bon, Ah, coup critique, sympa. En attendant de tuer, faut dire quand même que Méophée, je vais parler un peu de Méophée. Hein. Enfin, Méodès, pour l'occurrence, a gagné quand même beaucoup d'intérêt dans cette 6ème génération. Non, c'est dans la 6ème génération, en ayant gagné un type fée. D'ailleurs, il est overused, hein. Oh non, non, t'as pas le droit, là. Ok, génial, je peux rien faire. Ouais, il a gagné un certain intérêt. Notamment avec sa capacité inconscient. Enfin, il y a un inconscient garde magique qui sont tous les deux jouables. Enfin, les deux sont très sympas. Chacun de leur style. Bon, envoyer argument. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas envoyé argument destructif. On va envoyer. Argument D. Ok, alors, toi. Ah bah, Indem Power. Alors, ça. Ok, c'est pas type combat.
C'est pas HP combat. Cambu, je monte au niveau 19. Et le suivant, c'est... Mimitos. Alors, Mimitos. Thunder Punch. Comme ça, il tank bien, Mimitos. Oui, il a bien tanké, ce con. Ok, si tu veux. Alors, Hidden Power, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah! Super efficace. Donc c'est soit type... Oh, bon, en fait, ça peut être plein de trucs. Hein. Ça peut être type feu, type roche, type psy. Ça peut être plein de trucs. Hein. Oh, feu, ce serait sympa. Hein. Ah bah, bon, on vérifie ça sur lui. Tiens. Ouais, c'est feu ou roche, je pense. C'est pris des dégâts quand même. Donc là quoi? Tu fais quoi? Ouais, c'est feu ou roche, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il y a mieux que... Ouais, feu, ce serait vraiment génial, quoi. Ouais, adieu. Oh mon dieu! On a battu Antoinette, supi. Bon, pas tout ça, mais moi, je reviens en arrière. Pour aller au centre Pokémon. Avant qu'on affronte Blanche, parce qu'on sait jamais, peut avoir un gros truc, hein, on sait jamais. C'est bon, jamais, alors. Et maintenant, je vais me soigner. Ah, c'est chaud, maman, je ne veux plus y aller, maman. Bon, j'arrête de chanter comme un con. Bon. Voilà, c'est la petite transition musicale par Achille. Et c'est parti pour la championne. Bon, c'est autour de Tekker 2, donc c'est parti. En plus, tu vas pouvoir baisser la précision, c'est cool. Ouais, c'est ça, je vais faire pleurer, tu vas voir. On va y voir. Deux Pokémon, je crois, c'est niveau 21 son maximum. On va y voir. Ouh, putain! Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Ça va pas être évident, là. Surtout c'est mort des crabhammer d'entrée. Alors, il va falloir faire très attention. Alors, ce que je compte faire, en fait, je vais baisser sa précision au maximum, et puis je vais me barrer. Je vais aussi diminuer sa vitesse, avec Acid Wing. Beaucoup critique, parfait. Je vais faire un Acid Wing. Ah, quoique, je peux peut-être gagner du jeu avec mon truc. Ici, Wind. Ouais. On lui fait des... On lui laisse sa vitesse aussi, comme ça. Il va être moins chiant. Octazuka, allez. Krabamer. Ouais, il rate. Il commence à rater. Ça, c'est bon signe, ça. Octazuka. On continue. Comme un voleur. Voilà. Quand tu rates. Jusqu'à ce qu'on ait plus d'Octazuka. Krabhammer, tu rates. Voilà, hop. Oh, critique. Oh, ce truc va se faire en fait. C'est marrant. Et là, je vais me barrer. Ouf. Là j'ai vu. Je vais pas prendre le risque de me prendre un critique. Et on va envoyer Boudou. Oh, remarque, je pourrais envoyer vite, c'est plus placé. Mais bon, ouais, j'aurais pu faire ça. C'est... Alors. Bon bah Big Vrille. Alligator quand même, ouais c'était du sérieux mais bon Octazuka aura une raison de vie. Tekker niveau 18, Tekker 2, Boudou il y a une 405 et le deuxième c'est Abou. C'est ça ton Pokémon ultime? Abou. D'accord. Elle me sort un putain d'alligator, je crois que j'allais me pisser dessus en fait bon bah. Abou, ok. D'accord. Niveau 19 donc. Oui. On a battu Kim, ouais. Ok. T'es gentil. Oh non, t'as fait pleurer Blanche. Ok. Oh, c'était gentil, cette ligne de dialogue et de repère.
Bon, on n'a pas dû faire grand chose hein, pour. Quoi? Ah oui, je trouve que c'était force à booster ta vitesse. Je me suis dit quoi? Oh putain! Such bomb! Oui! Oh c'est bon ça! C'était such bomb! Je pourrais prendre un courant but, mais je vais la garder quand même en réserve. Oh putain la vache! Oh, ça c'est bon ça! Ça c'est une bonne CT ça! Je vais garder en réserve quand même. Alors. Bon, bah maintenant on va continuer. Hein. Pouvoir continuer notre périple. Alors, centre Pokémon. Youpi. On avait bien fait la route. Enfin, on avait. Surtout, on s'était un peu raté à esquiver les gars. Donc, bon, on va continuer. Hein, on va continuer cette route. Oui, d'accord. Et c'est fini. Alors, déjà, je crois, ouais, il y a déjà affronté. Oui, mon copain est si faible, blablabla. Ah oui, je crois qu'il me faut coupe pour le parc, pour récupérer une cité. Bon, au pire, on s'en branle, mais c'est dommage, quoi. Bon, bah là, Icy Wind. Il devrait aller. Ou pas. Putain, c'est faible. Oh, sport, non. Ça se trouve, il y a rien d'autre. Ok, je me casse. Je me casse. Oui, d'accord. J'ai compris, Mister. J'ai compris. Je comprends ta puissance. D'accord. L'ensoleil, oui. Mister, mais tu es l'ensoleil. Et ça me fait 3 PV. Ok. Bug vrille. Au revoir. GG. Bon, remarque, Rafflesia en soi, Rafflesia avec sport, ça aurait été sympa. Oui. C'est pas mal. Et le suivant, ah bah, pff, avec ça, ok. Alors, étant donné que j'ai rien pour éviter des pokés, je retourne en arrière. Oui, oui, oui. Ça, c'est faible, si win, je m'attendais à que ça tape un peu plus, moi. Enfin, bref. Parce que c'est un mystère, je sais, mais enfin. Enfin c'est un mystère, justement, c'est ça le problème. Et le deuxième, et voilà. Le joueur qui m'envoie un. Ah merde, un feu forêt. Ouais, j'avais un. Bon, niveau 2, bon bah, ok. D'accord. Le deuxième, c'est un. Ouh, un Raikou. Oula. Ouais, bon, on va voir justement s'il a pris un truc Raikou. Parce que. Ouais, s'il apprend un truc genre tonnerre, à la limite, je vais bien faire. Hop. Ouais. On va envoyer argument destructif. Voir de quoi il est capable. Ça se trouve, il n'y a rien appris, on va voir. Éclair. Ouais, bon, bah, va te faire foutre. Je vais pas te faire hop. Bah, éclair, et puis quand, quoi. J'aurais appris tonnerre, ou même à limite, limite étincelle, ça aurait été mieux, quoi, mais... Ah, c'est pas très efficace, ça. Ou ok, c'est... Ah, c'est HP vol, ok, c'est HP vol. Oh, remarque, HP vol, c'est pas mal HP vol. On va regarder, je sais pas combien de puissance c'est, mais... Pas vache pauvre. Bon, bah, on en... Ouh, quoi? Zap Cannon? Oh non, si c'est pas avoir une attaque à 50% de précision, voilà, quoi, non. Bon bah écoutez, c'est cool hein. Ouais, Zap Cannon, ouais, c'est un peu les deux extrêmes avec éclair quoi. Spec. Alors, faut que je me méfie parce que oui, il y a prévision du destin, mais je tape avant. Je tape avant, donc je ferai toujours une longueur dans le sol. Confuse Ray, ok. Si tu veux. Oh normalement ça va, il n'y a pas. Sauf si je suis confus, c'est pas cool. Voilà, parfait. Spectrum niveau 14, c'est fait. Argument de soi, c'est le premier Pokémon niveau 20, argument destructif. Comme vous, il a remarqué ce. Attends, il est niveau. Oh, ok, niveau 6, ok. Putain, je me suis dit, il est niveau 20, ce con, ça va faire combat épique, mais là. Oh putain, vache. Oh, tornade, ok. DPV. Oh bah, argument destructif, ce sera fait un Lugia. S'il arrive à l'attaquer.
C'est moins ce que des tornades. Ouais, non, là. On va tout saouler. Bah, Taker 2. Allez, on bosse, Taker. Oh, c'est quand même dommage qu'il soit niveau 6, ce con. I see wind, adieu. Ouais, j'ai 3 fois plus, j'ai un niveau 3 fois plus élevé que tien. Voilà, c'est la patate. Oh putain. Presque. Et on a battu Scarlett. Youpi. Et je crois que c'était le dernier. Alors, faut voir si... si, bah, il y a encore un... Ouh. Ouh, un nid pour roi. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est chiant, ça. Ça, ça peut même être très, très chiant. Donc, ce qu'on va faire... Lui, on va... Bah, ok, il est plus en que moi. C'est bon à savoir. Ouais, il prend pas grand-chose. Hein. Ah non. Ah non. Non, là, t'as pas le droit. Là. Non. Oh non, putain, non. Oh non, pas de raccourage. Oh, tu déconnes. Là. Oh putain, non. Oh putain, non. Est-ce que je sacrifie Taker 2? Parce que j'ai peur qu'il spamme mes Dracorage en fait. Et qu'il y ait une colère aussi. Alors je sais Boudouche. Je sais Boudouche, mais sachant que bon, si je fais Dracorage, je me casse. Hein. Et hors de question que je reste et que je tente de tuer. Ok, non, non, c'est bon. Il a spammé Dracorage. C'est génial. C'est génial. Et je sacrifie, bon, je suis obligé de sacrifier. Bah parce qu'il va spammer et je peux rien faire. Je peux rien faire. Mon Draco souffle, ok. Désolé Taker 2, tu seras mort avant Taker 1. Et on va prendre. Corambu. Non, il tient pas de. Il tient pas de Dracorage. Ah putain, mais je suis con d'avoir envoyé Boudouche comme ça, il aurait pu one shot. Lui va faire one shot. Oh putain, non. Non, putain, pas le droit. Ah, je sais qu'est-ce que je peux faire. Je sais. Et là, c'est le moment d'utiliser Mimic. Ok, alors je vais faire une cruelle. Alors, je pense pas que ça va le. Ouais, il va faire. Oh, tu te fous de ma gueule là. Non, mais sérieusement. Putain, connard. Il m'a fait chier avec tes Dracorages et... Putain, il m'a fait une pisser dessus pour rien. Ok, bon bah, on a perdu Taker 2. C'est triste. Non, du coup, on va chercher un autre Pokémon, hein. Ah, parce que là, j'avoue, le truc, il m'a fait un peu peur. Ok. Ouh, une CT. C'est quoi comme CT? C'est CT 18, c'est... Ouh, Edessi, pas mal. Je vais voir si... Le Taker, il s'est fait, non. Ah bah non, ça va. Pourrigon, tu fais quoi? Tu fais quoi, Vista? Ou c'était Avast, je sais plus, enfin bref. Non, c'était les deux, je crois, en fait. L'autre, c'est... Ouh, on Dracofeu. Oh putain, ça c'est la team à David, ça. Au revoir. Bah, il n'y a plus de David. Oh putain, ça me fait chier pour le crocodile. Donc là, je me dis, je vais pouvoir prendre le poké. Alors. Soit je prends Excellent, soit je prends Scorpion. Sachant que le problème avec Scorpion, Scorpion est meilleur, mais malheureusement, le souci est que je peux... Enfin, 3 faiblesses glace quand même, dont 2 quadruples, c'est un peu embêtant. Mais bon, j'ai toujours j'ai Aiga tueur, mais bon. Mais d'un autre côté, si je prends Xelang. Alors déjà, désolé Taker 2, tu es mort. Putain, mais je pensais. Attendez. Ouais, en gros, c'est. Ouais, parce que Vanu qui est hors de question de faire XP. Ouais, c'est Gugar ou... Ouais, ok.
Je vais revoir les stats. Spike Cannon, Extreme Speed. On note quand même avec ça, on gagne une bonne attaque. Il est très lent. Et lui, il est assez rapide. Et l'attaque pas dégueulasse. Mais il y a Earthquake quand même. Hein. Faut pas oublier qu'il y a Earthquake, ce con. J'ai Mimic, Earthquake. Et j'ai... Attends, il y a combien de PV que ce langue? 40. Ouais. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. J'ai envie. Pour revenir à balance de ma team, j'ai envie de dire excellent. Mais. Dieu sait que j'ai pas envie de jouer excellent, quoi. Enfin. Je veux dire. Bah, remarque, il est pas très bucky, hein, en plus. Hein. Il est pas génial. Ouais, il est plus bucky que Scorpion, oui, mais. Il est pas assez rapide. Quoique. Ah, je sais pas. Il y a deux niveaux aussi. Ah, faut que je me rende compte qu'il y a deux niveaux aussi de. Ouais, vas-y, j'ai envie de tirer au fou, je vais prendre Exelang. Voilà. Donc, voilà, on a un Exelang, bienvenue à Lyon dans la team. Bon, si je prends un meilleur Pokémon, hein, voilà. Mais bon, en attendant, on va faire avec. Bon. Putain, mais King Drag Dracorage. Ouais. Fallait que ça arrive à un moment, hein, Dracorage. Ça nous était pas arrivé en 4 épisodes, bon bah voilà quoi. Ok, toi t'as pas une pareille visiblement. Ok, donc on y retourne. Ah bah oui, il faut que j'y pense, on avait vu Griffin. Bon, je sais que lui il va être plus. 29-42. J'ai envie d'Adena corrompu. Voilà. Bon, c'est là qu'on avait attrapé ce corps. Et à quoi nous comme Pokémon, le sac de nœuds. J'ai évité quand même de. D'aller dans les arbres et de fuir parce que si je me fais. Si Pokémon en face est plus rapide, donc voilà quoi. Bon bah on va devoir jouer avec un Exelang. C'est génial. Bon, ça va. Hypocéan. Niveau 14. Bon non, enfin, je vais pas prendre du risque au début. Envoyer des trucs simples pour les tuer, vite fait, bien fait. Voilà, genre là, on voit une résistance hein, qui peut tuer direct. Au bout de douche. Rain Dance. Oh putain, il joue stratégique lui. Et Big Vrille, et il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Adieu. On a battu Chloé. Ouais. Youpi. Ah oui, on va voir. Ah oui, oui, ouais, mais je crois qu'on a. Ouais, on a. Ah non, 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 non. Non, Scorpion, non. Ok. Je peux imprimer des trucs, c'est génial. Toi, tu donnes le choix, il est bien en plus. Non, même pas. Il n'y a pas une entrée, mais c'est un truc hein. Oui, d'accord, c'est un peu chiant là. Ah, ah bah non. Putain, il y a eu le truc, il y a un truc pour... Oh bâtard. Oh, il est fou. Oh, il est fou. Ok, potion. Putain, ça aurait vraiment con que je perde mon excès, hein. Putain, mais et où Ah putain, où? Ok, bon, tant pis, hein. En fait c'était au pire. Girafaring. Oh, on en a jamais vu. Girafaring. Oh, on n'a pas de résistance psy. Une résistance normale. Ouais, bon, bah, on envoie Boudouche, quoi. Boudouche exterminateur. Et bah. Oh, super fort. Oh, bâtard. Oh, les fiches de pute. Tiens, mange-toi mon aéroblast dans la bouche. Tiens. Et je me rends compte qu'on est quand même à 34 minutes de jeu. Donc l'épisode est bientôt fini. Hop là. On a battu Léo. Bah oh, wow, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup en avance. On a fait arène, on a fait souterrain, ouais. Ouais, j'avoue, j'étais un peu lent quand même aujourd'hui. Je suis un peu fatigué aussi.
Bon. Alors, rien. Super potion. Potion tout court plutôt. Non, mais son. Potion, voilà. On redonne un peu de vie à Boudouche, hein. Ce serait con de perdre. Alors qu'on avait l'occasion de soigner. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, ok. Alors, bon, lui, je pense pas que j'ai grand chose à craindre. Soyons honnêtes. Ouais, bah, je vais y aller. On va tuer. Ça prend un peu plus d'XP pour Aeon. Bon, je me fie pas aux dégâts parce que, bon, c'est. Je trouve qu'il y a une stat de merde en défense. Mais bon, quand même, ça. Bon, à côté, j'ai pris cher hein, pour une attaque à 20 puissance. Faut voir, faut voir. Et Young gagne 153 d'XP. Et deuxième, c'est. Arcana. Ça, c'est pas cool. Je revois. Taker. Bah, du coup, c'est ce Pokémon qui nous reste. Bah, je pense pas qu'on va le perdre. Sauf si on fait con et qu'il nous balance un random lance soleil dans la bouche. Et encore, faudrait que je vois pas le premier tour pour qu'il me touche. Bon, Crabhammer. Et voilà. Ça c'est du bon taf. Et lui, on monte au niveau 14. Dès qu'il regarde 340 XP. Et voilà. Il y avait des Mew quand même dans ces arbres à la con. Ok, d'accord. Oh bah il y a rien d'autre, ok. Je crois qu'on a tout fait. Hein. On a tout fait, je crois. Attends, il a fait Billy Drum là. Oh putain, je suis plus. Attends, j'ai appris une attaque, j'ai appris Ligotage. Ouais, super, connard. Dans un Spike Cannon, il tape plus que Corambu, faut dire. Mais en même temps, c'est stabé, hein. Enfin bon. L'autre, c'est... Gros tas de mort. Ouais, vas-y, je suis resté. On va tenter. Vitesse extrême. Youhou. Ouais, donc, si c'est pour faire ça... T'as pas les grands non plus. On t'a fini là. Normalement ça devrait. Enfin, si elle fait ça, c'est qu'il n'y a pas d'attaque poison quoi. Parce que sinon maintenant il y a ça là. Ouais, il y a de revenant quoi. Oh non putain, on commence pas. Voilà. Il n'y a pas abri, c'est cool. Ah ça fait d'XP, c'est bien. Et on monte au niveau 15. Ouais, il y a une bonne attaque. Il y a une date qui se respecte. Ça va. C'est pas mauvais non plus. Puis surtout, j'ai envie de garder Scorpion au cas où j'aurai un oiseau qui meurt, quoi. Comme ça, toujours un Pokémon vol, quoi. C'est toujours bien pour voler. Oui, parce que vol, c'est bien pour voler, je dois éviter. Antidote. Je crois que j'en ai plus. Enfin, j'ai des baies, mais j'ai plus d'antidote. Ah, c'est chiant. Bon, au pire, hein, j'envoie hit et je. Et je gâte soin. Hein. Attendez, est-ce que c'est nouvelle route? Est-ce que c'est nouvelle route? Je sais pas parce que. Je sais pas. Parce que. J'ai peur que ce soit route qui soit reliée à Mauvie en fait. J'aurais dû vérifier avant. Et j'ai déjà attrapé un Pokémon sur route reliée à Mauvie. Un Pharos. Là, Scorpion aurait été très utile. Enfin bon. Le souci, c'est que. Ouais, là, il fait chier. Bon, vas-y, je vais taper un Spike Cannon pour voir déjà. Bon, les dégâts sont honnêtes, ça va. Ça va, les dégâts sont honnêtes. Ok, éclair. Ça va, je reste. Ouais, oh non! Oh, commence pas. Extreme Speed, ça c'est pratique quand même. Hop. Critique, bien fait dans ta gueule, espèce de hackeur. Et le suivant c'est.
Oh putain, là oui, il envoie du gros, là. Il envoie du très très gros. Bah, boudouche. Non, je vais pas envoyer Corambia dessus parce que il va se faire niquer. Il a été screen, ouais. C'est pas avec ce que j'avais vraiment qu'on a. Hop. Ah bah. Oh, il a tenu. Vas-y, go. Force poigne. Non, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Ouais, Kazam, il va faire péter XP là. Ça va faire du bien. Et il monte au niveau 16. Boudouche monte au niveau 20. Et c'est la fête au village. Ouais, 66 d'attaque quand même. Hein. Je disais que Xang avait une bonne attaque, mais bon, ouais, faut... tout est relatif. En fait, j'aurais pu aussi ne pas prendre excellent. Oui. C'est une solution, mais bon, j'aime bien avoir un Pokémon quand même sur lequel compter. Enfin, c'est le Pokémon un mignon intéressant. Quoi, pour moi. Alors, potion. Alors, je vais regarder l'heure quand même, il y a 5 minutes. 5 minutes donc, on va faire très attention. Route 30. Putain, mais je sais même pas quelle route c'est. Ah non, route 35, c'est celle où on était avant. Route 36. Alors, on va faire attention de ne pas aller dans les herbes. Ah non, je crois que c'est une nouvelle route. Ah si, c'est une nouvelle route, ok. C'est bon, c'est cool. Bon, bon bah, on va rester là pour le combat. Enfin, on va se faire dresser ensuite, on va s'attraper un Pokémon. Ouais, c'est ça, je pense. On va attendre de faire tous les. Ah, le problème. Espèce de relou, va. Taker. Un Crabhammer, ça va être quand même, mais. Rouade. Non, mais t'as cru quoi? Du vent! Voilà. Mode JOL. Ouais. Adieu. Et donc, beaucoup d'XP. Pour ce que c'était. Voilà. Moi, vous remarquez quand même qu'on monte moins vite. On monte moins vite maintenant. Ah, ah. Ah, merde! Oh, putain, faut que je retourne au... Oh, non! Ouais, il me casse les couilles. Faut que je retourne à... Truc méchant. Oh putain, bande de chiens. Sérieux. Bon, on fait vite. Et hop. 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 Ouais. Ah, je crois que c'est... Oui. Ah non, je te sais pas, zut. Oh putain, j'ai pleuré cette conne. Oh, oh putain, j'ai pas envie de perdre de temps en plus. Ah, c'est Kizino. Oh, j'ai pleuré, merde. Je coupe à toute cacacaouette. Et nous revoilà, puis j'en ai profité. J'ai profité de la coupure pour aller chercher l'arrosoir. Et je me suis renseigné sur internet aussi, et en fait, on a déjà attrapé un Pokémon sur route 36, bah de l'autre côté, du côté de Mauville, donc on va prendre le Simu, enfin, on va réveiller le Simu Arbre, ça va pas être un Simu Arbre, mais on va pas pouvoir. Ok, d'accord. Heureusement qu'il est unique dans le jeu. Hein. Comment je vais faire parce que là il risque de me faire. Ok, grimace. Mais j'ai pas le droit de... Bah, de toute façon j'ai même pas le droit d'utiliser, donc bon écoutez. Oh putain, impressionnance. Je vais essayer de s'en débarrasser le plus vite. Allez, coup critique. Non, même pas, parce que c'est pas rare, on va tuer en deux. Oh, j'ai peur. Oh, oh, ce combat de titans. Qu'il fallait faire avant. Bon, c'est passé. C'est passé, youpi. Très. Et par contre. Oui, oui, c'est la même route, oui. C'est la même route. Attends, c'est pas lui. Ah si, c'est lui qui me donne les 4 rocs. Oui. Ah bah non, mais c'est pas 4. Comment je fais pour passer les rocs si. Oh les cons. Bah non, comment je fais si... Ah non, mais je suppose qu'on peut l'arracher. Ah par contre là, en fait ce qu'on va faire, on va juste attraper un Pokémon, on va essayer de faire.
Parce que après, c'est. Ouais, ça fait 45 minutes presque. On va juste attraper un Pokémon. Et c'est un. Doubou, on va te faire foutre. Oui, parce que j'aurais pas, il y a des doublons. Enfin, j'arrive avec des doublons. Faut pas déconner. Et c'est un. Ortil. Ah, c'est pas mal. Faut voir ce qu'il apprend comme attaque, mais actuellement ça peut même être mieux que. Qu'excellent. Donc, j'aurais dû faire. J'aurais dû faire ténèbres. Parce que là. Ouais, normalement ça. Enfin, je suis à Nightshade, ça va. Donc, on va se prendre 20 PV quoi. 19. Ok, parfait. Ortide. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je vais voir en off de quoi il sera capable et puis vous aurez la surprise pour le prochain épisode. Et non, toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre comme attaque? Il a acide. Bon, s'il y a que acide, par contre, ça va le faire. Qu'est-ce que t'as d'autre? Acide, ok. Ok. Faut voir qu'est-ce qu'il prend comme attaque. T'as un Pokémon Weed. Je vais taper Mystero. Voilà, dédicace. Tu as un Ortide. Peut-être not bad. Actuellement, c'est peut-être même mieux que qu'excellent, hein, quand on y réfléchit au niveau du type. Du typage. Bon, ça fait une faiblesse glace, mais bon. Attendez, est-ce que je peux. Non, je peux pas. On va voir ensemble quoi il est capable. On va aller à la mobile. Voilà, on peut y aller. C'est là parce que ça fait un bon raccourci. Hop. Ok. Alors, withdraw. Stats. Acide. Ah putain, je croyais qu'il y avait deux fois acide. Je me suis dit, c'est quoi ce bug? Il y a acide armure quand même. Et il y a. Bon, on attaque, on s'en fout. Ah. C'est. Ah, ce qui fait chier, c'est qu'il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de bon stade, mais il y a quand même plus de chances d'apprendre des bons trucs excellents. Donc, moi, je dirais jouer Mystero à la place des. Quoique. Quand même, j'ai monté niveau 16. Hachim, c'est excellent, merde, fais chier. Bon, je prendrai donc Mystero pour le prochain épisode, et nous, bah, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir suivi dans un épisode qui était quand même assez vide, hein, quand on y réfléchit. Enfin, pas fait grand chose. Enfin, on s'est fait la raid quand même, hein, mais bon, pas super avancé. Et on se retrouve donc bientôt pour le prochain épisode. Salut !